Bien cher escargot, puis-je vous demander de m'accorder une danse? Pas n'importe où, sur votre maisonnette, rien que quelques pas, c'est mon vœu le plus cher. Je danserai très délicatement pour que nous ne transpercions pas votre toit, je le promets. Pour autant, bien sûr, que l'on puisse promettre une telle chose, l'éléphant. Bien cher éléphant, merci pour votre lettre. Plus tard, je vous accorderai bien volontiers une danse sur ma coquille. Cela ne fait presque aucun doute. Je trouve que je danse très bien. Mais en ce moment, hélas, cela ne m'arrange pas vraiment. L'escargot. Bien cher écureuil, il y aura sûrement un gros gâteau à ton anniversaire. Est-ce que pour une fois, je pourrais le manger entièrement à moi tout seul? Un gâteau au miel de préférence, tout le monde pourra regarder. Je le mangerai si goulûment que vous n'en croirez pas vos yeux. Tout le monde applaudira et criera de joie, je te le promets. Ensuite, les choses pourront continuer normalement, se féliciter, déballer les cadeaux, danser, se dire au revoir, dire que c'était très chouette, demander quel est le prochain anniversaire, etc. C'est juste un souhait, l'écureuil, l'ours. Bien cher ours, c'est d'accord, mais alors je ferai deux gâteaux, l'écureuil. Cher écureuil, je te remercie pour ta lettre, mais tu ne m'en voudras pas si, dans mon élan, pendant que tout le monde applaudit et pousse des cris de joie, j'engloutis aussi l'autre gâteau. Tout le monde débordera d'admiration pour moi et bondira de joie, j'en suis sûre, et cela ne les empêchera pas de croasser, chanter, siffler. Alors ce sera un anniversaire vraiment inoubliable. Et si tu fais trois gâteaux, alors j'en suis tellement sûre, l'écureuil, trois gros gâteaux, et s'ils sont au miel, quatre, l'ours. Chers animaux, qui fête son anniversaire aujourd'hui? S'il n'y a personne, qui veut le fêter à l'avance? S'il n'y a personne non plus,
qui veut fêter autre chose et m'inviter à manger du gâteau et des pâtisseries. S'il n'y a toujours personne qui veut tout simplement faire un gâteau, un au miel et à la crème, alors, avec de la gelée douce et du sucre fondu, et me proposer de venir le manger. S'il n'y a personne, que faire? Savez-vous ce que signifie toucher le fond? J'en suis là. Aidez-moi, l'ours! Monsieur l'escargot, à ma grande tristesse, je suis pressée. Que dois-je faire? Vite, la tortue. Ma chère tortue, quelle tragédie pour vous. C'est tellement cruel l'empressement. Résistez-lui et maîtrisez-le. Pliez-le jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'une boulette insignifiante. Puis enfouissez-le dans le sol. Restez calme surtout. Car si vous et moi perdons notre calme, que faire? L'escargot. Cher écureuil, je me rends chez toi, mais je suis perdue. L'éléphant? Cher éléphant, où es-tu perdu? L'écureuil? Cher écureuil, dans un arbre, l'éléphant. Cher éléphant, attends-moi, j'arrive, l'écureuil.
Je me rendais chez toi? Oui. Je voulais... Tu veux danser avec moi? Tu ne veux pas.